Ces diplômés que vous voyez ne sont pas des étudiants ordinaires. Ce sont des chefs de société qui ont été formés à la gestion du personnel et à l'acquisition des mécanismes pour une meilleure rentabilité de leur entreprise. Aujourd'hui, ils se disent aptes à mettre en pratique la formation reçue. Que pour prendre une décision, il faut avoir une méthodologie. Et ça, c'est la chose que je retiens, qui m'a vraiment servi de façon pratique dans mes activités. Ce programme nous a permis d'obtenir des outils de management, de gestion des conflits, des organisations, des ressources humaines, mais également la capacité d'élaborer des stratégies pour développer nos organisations. Pour les responsables du management et développement d'entreprise, la formation permet à des dirigeants d'entreprise en fonction de se remettre en cause, développer la qualité des prises de décision et leur leadership au sein de leur entreprise afin qu'ils contribuent durablement au progrès social et économique en Côte d'Ivoire. Ce sont des formations qui sont dispensées pour des dirigeants en fonction, des dirigeants qui ont capitalisé déjà beaucoup d'années d'expérience professionnelle, mais qui sont rendus aujourd'hui à un stade de leur carrière où ils veulent se remettre en cause, bousculer leurs certitudes et voir comment est-ce qu'ils peuvent booster leurs compétences pour emmener leur organisation à un autre niveau de développement et aussi provoquer le développement de leurs collaborateurs. Une formation qui a duré 8 mois avec une trentaine de chefs d'entreprise. Le management et développement d'entreprise est à sa 6e édition et a déjà enregistré environ 500 diplômés. Une formation qui s'est tenue à Abidjan et à Barcelone.